Et yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Victoria 3 dans lequel nous jouons l'Allemagne. On n'est en guerre contre personne, c'est super. Après, on va voir si on a des territoires à prendre. On peut pas. 17 janvier 97. On est le 16. On va patienter un peu quand même. Oh la vache. À une journée près quand même. Allez, on va reprendre bah, tous les petits territoires, les petits pays là qu'il y a aux alentours. On va voir si j'ai enfin si je peux annexer certains autres pays, parce que j'en ai fait pas mal fantoche. Faudrait pas qu'ils fassent de révolution ou de trucs comme ça. Parce que là, ce serait du temps perdu. Hop, il me semble que lui, voilà, il n'y en a pas. Une fois que ce sera fait, on ira au niveau de la Isle, du Nedge, ouais, très certainement par là. Prendre les petits pays de l'Arabie. Oula! Oula, bah dis, comment ça se fait ça? Ouais, y a pas mal de... Administration gouvernementale. Oh la vache! Oh. Y a pas un truc comme quoi... Peut-être les téléphones qui me coûtent cher? Oh la vache! Alors, ok, on va vérifier l'électricité, tout ça, c'est bon. Allez, moteur. Oh, le pétrole, sérieux, j'en ai besoin de tant que ça, du pétrole. Déjà. Ok, bon. Moteur, on avait dit aussi. Tac, 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 bah alors. Ah, je suis en double carte. Et oui, je voulais voir si les téléphones c'était bon également. 4. Oh, on est impec. Ah oui, alors j'y pensais. J'ai eu un commentaire. Je me souviens plus exactement du. Je me souviens même pas du tout. Attendez, je vais aller chercher du nom. Du nom. Oui, oui, mon gars, tu vas chercher du nom. Ouais. Non, je vais chercher le nom. De Necron Lord. Qui me demandait pourquoi j'automatisais pas les usines. Alors effectivement, quand j'ai commencé en fait, les constructions automatiques étaient absolument horribles. C'était mal géré en fait, c'était pas bien foutu. Je vais tester. Ouais, je vais retester, on va voir ce que ça va donner. Ouais, non, ça ferait beaucoup trop d'engrais, etc. Tout ça. Oh la vache, j'ai 300 usines chimiques, ouais, ça déconne, zéro. Ouais, je vais voir ce que ça va donner sur, disons... Où est-ce que je pourrais le faire? Sur ça, tout ce qui est agriculture... En gros, tout ce qui est sur matériaux bruts, ouais. Ah, je peux pas... Ok. Ouais, sur tout ce qui est matière première. Voilà. Du bois, la soie, aux plantations de caoutchouc, etc. etc. Ça pas touche. Et on va voir ce que ça va donner, et je passerai de l'urbain dans un second temps. Mais déjà... Ouais, tu me diras, je suis bien dans tout ce qui est matière première. Hein. Ah non, bah regardez, ouais, voilà, parfait. Par exemple, tout ce qui est du vin, oh, le vin dit. Bah, ils vont gérer eux-mêmes, hein, je suppose. Les patates, ça fait quoi? Ça fait des spiritueux. Ouais. J'ai du blé. Ouais, j'ai du blé. Le blé, on va en faire des vignobles. Et une culture de
Ah oui, en Nouvelle-Guinée, d'accord. Là, on verra, ils s'arrangeront avec. S'arrangeront à ce niveau-là. Les cultures de seigle, s'ils en veulent plus. Donc voilà, on a mis en automatique, donc. Je vais laisser tourner en auto quelques temps. Ah bah, à mon avis, ça a déjà dû lancer quelques. Ah ouais. Ah ouais, ça a lancé énormément de cultures. On va voir ce que ça va dire. Ah oui, c'est vrai qu'il y a tout ce qui est minerai également, plomb. Ouais, du plomb, à mon avis, il va y en avoir besoin. Eh bien, c'est. Oula. Ah, si, ce que je pourrais mettre aussi en automatique, c'est. Les voies ferrées. Vous allez voir, ça va m'en rajouter, à mon avis. Enfin, si c'est bien foutu, c'est censé m'en construire rapidement. À moins que je les ai déjà mis en construction et que c'est en attente. Mais j'ai jamais demandé de tabac, moi. Ah, ça choisit l'ordre aussi? Non. Ah non, d'accord, je me suis arrêté là. Ouais, si. J'avais lancé des voies ferrées, ça doit être pour ça, ok. 1,4 million, non mais c'est fou. Comment ça se fait? D'un coup comme ça. Alors, bien pour les salaires gouvernementaux, ok, administration gouvernementale. Ah, c'est les administrations gouvernementales hein, qui me coûtent une testicule pour parler poliment. Peut-être devoir repasser pendant un temps du moins sur le stade inférieur. Mais ça m'aide tellement en efficacité de construction de l'État. Ouais. Ouais, allez, on va faire un petit tour au niveau des lois en attendant. Interventionniste, là on peut pas. Je peux toujours pas faire imposition proportionnelle. Hein. Ça m'aiderait en vrai. Est-ce que j'ai les lois qu'il faut? Aucune idée. Faut le traditionnalisme. Ah non, verrouillé par traditionnalisme. Ah non, je suis pas en traditionnalisme. De système économique. Bah, est-ce que j'ai la technologie? C'est peut-être ça aussi le problème. Ça devrait être dans société. C'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de recherches là dans le coin. Ça j'ai antibiotiques, on met en masse. Ouais, non, pourtant. Ça pourrait être quoi? Non. C'est pas ça. Fonds mutuel. Ça, c'est les cotages en bourse. Bah. Les roues, ils prennent en charge la dette. Je vais faire passer un peu le temps. Ok. Et je voulais. Imposition proportionnelle. Ou fiscalité graduée. Enfin, ça ira. L'un dans l'autre. Fiscalité graduée, pas encore. C'est trop précis. C'est un peu compliqué à mettre en œuvre, surtout en fonction des types de gouvernement. Là, c'est trop grand, je vois pas. Fonds mutuel, non. Structure en acier. Document d'identification. Plan central, non. Ouais. Non. Non, bah c'est fou ça.
Non? Non? Déverrouiller financé. Non, ça je m'en fiche. Bah là. Ça doit être un truc que je loupe qui est sous mes yeux, c'est très possible. Je pense pas que ce soit dans production. Hein. Non, bon. Bon. On verra ça un peu plus tard. C'est vrai que c'est dommage. Je suis à peu près sûr hein, que c'est. Sérieux? Ah non, d'accord, je croyais qu'il voulait servage. Alors, est-ce que c'est fini? Est-ce que c'est fini? Pas encore, ils sont à moins 56. Ils veulent vraiment pas. Oh, j'ai plus rien en file d'attente. Ça y est, c'est équilibré ça? Ah ouais. Bon, voyons voir. Au niveau du marché, est-ce qu'il commence à l'équilibrer? Oui, non. Oui, c'est vrai que c'est à peu près équilibré jusque-là. Ouais, je suppose que ça en a foutu partout, hein. Ouais, voilà, ça en a foutu absolument partout, ce que je déteste. Je vais voir. On va tester. On va tester les bâtiments urbains, pareil. Alors, pas tous, parce qu'il y en a sur lesquels je veux garder la main. C'est chantier naval, manufacture d'armes, usine de munitions, tout ça, je veux garder la main. Ça, on s'en fiche, faites-vous plaisir, ça, allez-y. Avec les universités, je pourrais en faire plus, hein. Ouais, ça grandirait pas mal en vrai. Hein. Voilà, on va abuser un peu, mais on va en faire une centaine. Ça va accélérer les temps de recherche. Ok, ça c'est mieux. Déjà, on n'est plus dans le rouge. Ouais, on va voir. Là, c'est presque bon. Ouais, allez, encore un tick. Un ou deux, allez. Ok. Pays fantoche. La proposition est passée. Voilà. Voilà, c'est pas mal. On se rapproche, on se rapproche. Là, on peut pas. Là, on peut pas. Là, on avait dit non, pas de suite. En faire un pays fantoche. Ah oui, non, mais c'est vrai que c'est eux. Je me disais, bah, comment ça? C'est bizarre. Eux, ils sont pays fantoche, déjà, dans mes fantoches. Ah ouais? Bah, écoutez, on va conquérir l'État. Je pensais qu'ils étaient fantoches. Je me suis totalement trompé. Comme quoi, une erreur, ça arrive. Alors, voyons voir. Après avoir lancé le truc en automatique. Oui, bon, bah, j'ai 30 000 pages de. Ah ouais. Ah ouais. Effectivement, ça. Ça a lancé pas mal de construction. Les capitalistes investissent dans les manufactures, machin, gnagnagna. Ah, les constructions privées, oh la vache. Ah oui. Bon, au moins, c'est vrai qu'on est en train. Voilà. D'augmenter les investissements sur la sécurité de travail, ça c'est bien. D'ailleurs, on est légitime. Ça c'est cool. Les élites intellectuelles qui sont bien devant, ça c'est bien aussi. Non. Non, non, non. C'est trop dangereux ça. Toujours en monarchie. Il y a bien un moment où faudra que je passe en République des conseils. Quoique, en vrai, hein. Là actuellement, j'ai pas besoin, hein. Voyons voir, est-ce que ils vont abandonner? Ils ont pas l'air de vouloir. Hein. Ils sont tenaces. Oh, j'ai plus de loyalistes que de radicaux. Alors ça c'est fou.
Disons, c'était pas arrivé depuis fort longtemps. Voilà. C'est parti. Tibesti. Ah oui, c'est vrai que je fais des colonies là. J'ai totalement zappé. Ouf. Ouh, tcha 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 tcha. Oh, ça c'est moche ça. Oh, ça c'est moche. Bon. On va y envoyer du monde. Là ça craint. Et s'il commence à faire ça, mince, vite falloir que je les annexe parce que c'est un gros morceau. Ouais ouais ouais, bon, heureusement on est encore en supériorité numérique. Ouais 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 ouais. Bon, tu me diras, il n'y a pas grand monde sur ces territoires normalement. Ils sont 20 millions. Ah ouais, si, ils ont perdu la enfin, ils ont perdu la majorité de leur population comme ça. Ouais. Ok. Ça, j'en veux pas. Ouais, ouais. Bah, ouais, va falloir annexer tout ça, j'ai bien l'impression. Bon, déjà, on va commencer avec avec la Tchétchénie. Sahara occidental, ok. Là, j'ai cru voir quelque chose. Ouais. Hop, c'est une rébellion serbe. Le pire ottoman, ça fait la deuxième fois hein, qu'il a un problème. D'où troisième fois, je sais plus exactement. Peut-être falloir s'en occuper ou d'un moment pareil. Alors ouais, on va voir comment que ça se passe ici. Bon, ça se passe plutôt bien hein, en même temps. Niveau supériorité technologique, on l'a quoi. Attends, quoi? C'est... Ah non, j'ai cru que... j'ai mal lu, attends pour moi. Ok, bon bah là, peut-être falloir faire un petit débarquement ou pas? Non, pas besoin. Déjà... Je sais même pas où est... je sais pas si c'est leur capitale de... J'aimerais bien savoir quelle est leur capitale. Mais j'ai du mal à le voir. C'est pas ça. Je cherche, depuis deux épisodes je trouve pas. C'est un peu embêtant. Pas. Ah non. PIP, attitude du journalisme, réaliste, marché, ça veut pas. Hein. Bon, bon, c'est pas vrai. Alors, enquête de... une enquête a révélé que Adolphe, oula, ça commence mal, Duchaud. Bon, le gouvernement devrait sa fortune à des pots de vin perçus par des compagnies pétrolières. Oula! Nous devrions punir toutes les parties impliquées dans le scandale. Voilà. Les corrompus, j'aime pas, moi. Dehors, allez hop. Alors, désigné, je crois que c'est... Ici, leur capitale, si je dis pas de bêtises. Est-ce que je peux lever une autre armée? Ça bug à chaque fois, ça, par contre, ils n'ont toujours pas réglé. Ouais, au Danube. Qu'est-ce que je vais faire?
Voyons voir, voyons voir, voyons voir. Militant, commandant d'artillerie. Ouf. Ouais, plus 50% de vous. Colérique? Ouais. On va éviter. On va éviter. Je vais recruter lui. Hop là. Paul von Hartmann. Mobiliser, et puis on va t'envoyer. Je sais pas où tu veux. Fais-toi plaisir. Là-bas. Ça a construit, ok. Je suis toujours en négatif au niveau du solde. Par contre, hein, là, j'ai perdu la moitié de mon solde. Ça m'arrange pas. Là, qu'est-ce qu'ils me veulent? Ah oui, on est port moderne, bah, bien sûr. Non, mais... Oh, les convois. 130 000. Aïe, aïe, aïe. Ça. Non, si. Si, 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 pardon, je me suis trompé. Automobile, oui. Ah, on a conquis un territoire? Bah non. Pourtant. Ça nous a reset. Ah, mais la colonisation. Ouais, c'est la colonisation qui nous fait ça. Ah, zut, j'avais pas pensé. Enfin, je suppose. Parce que sinon, je vois pas. Ça, on peut pas. Culture de minée. Ça aussi. Ça, ils sont au max. Ceux qui veulent pas, ceux qui sont au max. Bon, ça se passe comment? Ok. Ok. Ok, on a ça. Alors, bien évidemment, on va réorganiser, on va incorporer l'État. Et bah ça va, ça conquis pas mal. Disons que ça conquis un gros territoire à la fois, quoi. Niveau vitesse. Allez, il défend 1 quoi. Juste ce qu'il faut pour ralentir. Là, j'ai plus ou moins de champ libre. Plus ou moins. Plus moins que plus, mais. Ça, c'est bien. Ça avance. Oh, le petit morceau pourri. Hein. Sérieux, les mecs, faites attention quoi, la prochaine fois. Ah, yeah. Et c'est vrai qu'on n'est pas négociateur dans. Ah, c'est chiant. Ça va. Ça va. Sachant que l'objectif principal il est là, ça devrait aller. Alors le marché, le marché, le marché. Ça grandit bien. Oh, le PIB, par contre, il a refait un bond en avant. Là, en 3 épisodes. Vous savez, là, il y avait eu la mise à jour qui avait divisé le PIB par deux. En 3 épisodes, on a repris le PIB. Voilà, pas plus. Invention du téléphone. On va faire pareil pour la radio. Bien évidemment. On veut de la technologie. Surtout qu'on a fait. Je pense qu'on n'a pas fait nos universités pour rien. Ouais, là on gagne. On gagne. Ah, limité à un plafond de 163, plafond d'innovation. Ah ouais, donc on a beau en faire 20 000 en fait. C'est limité. Ok, bon bah je le saurai. On peut pas en fait. Même si. Imaginons.
on fasse, imaginons qu'on construise 100 académies, on va avoir par exemple 100 d'innovation. Si on en fait 1000, on va avoir 1000 d'innovation, enfin on va avoir 1000, on va dire théorie, en théorie innovation. Sauf qu'en fait, ça va être capé, il va y avoir un maximum à 100 d'innovation qui peuvent être pris en compte dans le développement technologique. C'est dommage, ça. Ça ralentit l'effet boule de neige. C'est pas cool. Hop là, on va retirer ça. Qu'on a pris la zone, ouais. On a pris la zone. Ouais, ça se voit. Là, le soutien, il a bien été diminué. Là, ça va se rejoindre, donc ça va faire un front commun. Ouais, voilà, on a un gros front, enfin. On a plus que 2 au lieu de 3, il me semble. Ouais, et puis on va les annexer, hein, parce que là, en général, quand on a un, il y en a plein. Comment ça, je peux pas? J'ai pas d'intérêt? Comment ça, j'ai pas déclaré d'intérêt? Si. Enfin. C'est quoi le délire? Peut-être le temps que ça se remette à jour après. Ok, j'ai sécurité au travail qui s'est accrue. Bah c'est quoi le délire? Bon bah c'est buggé. J'ai bien l'impression que l'on a trouvé un nouveau bug pour changer. Ouais. Yes. Ah, c'est bon, c'est revenu. C'est pas pourquoi. Allez, on va confirmer et on va les annexer une bonne fois pour toutes. Voilà, ils ont fait une fois une rébellion. Rien ne dit qu'il va pas y en avoir encore 60 000 fois. Allez, allez. Là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon. J'ai un petit territoire ici. Quoi? Je l'avais totalement oublié, celui-là. Attends, me dis pas que j'en ai encore un petit ici aussi. Ah non, 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 ça c'est le. C'est le cadenas, ok. Allez. Totalement zappé ça. Ok. Là, ça s'unifie tranquillou tout seul. Hop là. Puis après, on ira chercher le petit pays mène à. Instrument moderne financier. Ouais. Ouais, bon. Ça me déverrouille pas, je suppose. Ouais, non. Ah, nécessite. Mais oui, pas. Il faut de l'ind... Bah, il faut pas du traditionnalisme. Mais non, c'est débile. Je comprends pas.
Je suis un interventionniste, je suis pas un traditionnaliste. À la question de construction privée, bah ouais, mais non. Oh, plus que. Alors. Il n'y a pas marqué que ça, quoi, ça bloque. Ouais, les allocations de construction privée. C'est violent, là. Ah, la vache, les réserves d'or. Elles s'amenuisent. Bon. Pas avoir le choix. Oh, les économies. Oh, les économies. Hop là, voilà. Ouais. Pas choix. Wouah! Oh, le niveau de vie moyen. 18,5! Oh, 18,5 sur une population de 245 millions. Waouh! Oh là là! Ah ouais, non mais ça rigole plus là. Les loyalistes, ils ont augmenté encore là, de 10 millions, je crois, depuis le début de ma partie. Depuis un peu moins d'une demi-heure. Non mais 18,5, c'est n'importe quoi. On parle? C'est... Ah, c'est un sacré délire. Augmentation du niveau de vie, ouais. D'avoir un niveau de vie inférieur au minimum prévu. Ah, oh bon. Ouais, mais tu m'étonnes, vu comment ils sont élevés. Vu comment c'est élevé le niveau de vie en même temps. Allez. Allez. On va prendre les territoires. C'est ici hein, qu'il faut que j'aille. Voilà. J'ai vu qu'il y avait un endroit qui était vide, c'est pas normal. Pourquoi là c'est vide? J'ai envoyé du monde, ils sont tous barrés où? Ah mais ils sont tous barrés là les cons. Voilà. On va faire ça bien. Parce que là il envoie du monde, en plus ça les disperse un peu partout. Impeccable. J'en ai encore un là. Oh oui. Oh, tu sais quoi, tu vas y aller. Hein. Ah ouais. Ah bah là il n'y a pas de résistance. Ouais. Ah bah là il rencontre zéro résistance. Ouais. Vraiment. Allez hein. On a 95, 93, 2. On a pris une grosse partie de leur capitale. Ah c'est bien ça, ça met en... Vous voyez là sur le tableau à droite? Ça surligne les commandants, enfin les généraux présents. Hein, c'est vraiment pas mal. C'est bien pensé. Alors, et là-bas. Là-bas, ça fait son petit bonhomme de chemin. Pas grand-chose, tu me diras. Mais... Ok. Canada, quoi, qui fait... Canada qui plante de l'érable. Brésil, il commence à m'énerver aussi. Voyons voir, j'ai plus beaucoup de réserves d'or là. Va falloir faire quelque chose pour le budget. Ouais, j'ai rajouté un impôt sur le meuble de luxe. Ouais, bon ici on s'en fout. Quoi comme ça. Pas bien grave. Là ça avance, c'est gratuit. Du pétrole, wouhou! J'ai toujours 50 000 constructions en cours. Hein. Ah c'est magnifique. Ouais. Ah oui mais c'est vrai que j'avais augmenté, j'avais fait combien? Une centaine je crois de bâtiments de construction. Ce qui m'a bien augmenté les dépenses forcément. Déjà! Ouf! Allemagne!
Oh bah c'est, ça a été rapide. Ouh. Ben voilà, on gagne pas beaucoup d'habitants, mais on gagne un bon territoire. Oh la vache. Bon, action d'État. Là, il va y avoir du boulot, les gars. Voilà, on va adapter la production, les méthodes de production partout. Oh la vache. Ben voilà. Bien sûr, on va incorporer pareil hein, tous les états. Hop. Voilà, ça m'aura servi à quelque chose de d'avoir de la bureaucratie parce que bah regardez hein, c'est tout 100? Non. Ça me coûte une centaine à chaque fois. 88, 42 et 1. 152. OK. Le quart allemand? C'est où ça? C'est où? J'ai aucune idée d'où est-ce que c'est. Ouais. Ah, c'est ça. Ah ouais. Ah ouais, vraiment pas. Vraiment pas très très grand. Ok. Bon, bah, je suppose que ça va un peu chambouler les méthodes de production, etc. Encore un peu tout le bazar. Ça a bien chamboulé la population. Ah ouais, les loyalistes, enfin les radicaux, je veux dire. Ouf. Ah, comment dire? Bon, on sait d'où ils viennent, quoi. On sait un peu d'où ils viennent. Oula, 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 ça bug. Eh oh. Voilà, doucement. Ah, c'est cette interface-là qui bug de ouf. Super. Bon, les radicaux, on sait d'où ils viennent. Oula, alors attention. Là, faut pas faire de bêtises. Les idées socialistes se répandent en Allemagne. Helmut von Henning, de l'élite intellectuelle, a été nommé à un poste de décision au sein du gouvernement. Il y a un élan suffisant pour un changement rapide de politique. Alors j'ai deux choix. Soit je garantis des salaires équitables, mais aide sociale, ça coûte une blinde. Soit j'adopte des lois protégeant protéger les syndicats. C'est ce que je vais faire. Parce qu'il me semble simplement que c'est ce que je suis en train de faire déjà de base. Ouf. Le peuple souffre encore sous le joug de la tyrannie des rois, des prêtres et des capitalistes. Nous devons renverser le gouvernement réactionnaire et établir un paradis pour les travailleurs. Apparemment, il venait d'une révolution populaire. Alors, ils veulent la République des conseils. Ah, je me tâte, franchement, je me tâte là. Ah, je me tâte. Oh, ah, ça me donne envie. Bon. Je vais me laisser un peu de temps pour réfléchir, on va terminer l'épisode là-dessus. J'espère qu'il vous aura plu, on aura gagné beaucoup en surface, en surface de territoire là sur cet épisode. Pas beaucoup sur le reste, mais pas mal en surface. On va pas s'arrêter là, bien sûr, hein, on a encore pas mal de territoires à annexer. Parce que là, on n'a pas un territoire qui est continu. Voilà, on a des pieds entre les deux. Ouais, bon, effectivement là. Et sûrement que j'irai sur l'annexation des petits pays que j'ai fantochisés sur, on va dire, sur les frontières allemandes. J'espère que cet épisode vous aura plu. Voilà. Bon, on se retrouve très bientôt pour le prochain. Comme d'habitude, normalement, ça doit être demain, mardi. Ouais. Si je dis pas de bêtises, c'est demain, mardi à 11h. Allez, je vous remercie à tous d'avoir suivi. C'était Tiob. Ciao!